L'huile de palme, le cas Nutella, évidemment, nos trois intervenants vont vous en parler. Alors, il en manque un. Effectivement, on annonce le sénateur d'Odilly, mais malheureusement, il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes allés l'interviewer au Sénat, en fait, il y a très peu de jours, parce qu'il doit être au Sénat lundi prochain par rapport à un amendement sur le plan sur la santé. Donc, ce qui est important, c'est qu'il va vous raconter. On lui a posé trois questions différentes, et on va commencer en fait cette table ronde par cette interview. La première question qui lui a été posée: quelle était votre motivation quand vous avez choisi de travailler sur les effets de l'huile de palme en 2013? Alors, deux éléments. J'ai été l'objet d'une importante opération cardiaque, triple pontage, qui m'a rendu très sensible à toutes les mesures de protection cardiovasculaire. Et deuxième élément, j'ai l'habitude assez régulièrement d'accompagner mon épouse à un petit supermarché du bourg où j'habite, de regarder comment ça se passe. Et mon épouse m'a amené à la lecture des étiquettes. Et on a remarqué cette présence alors d'huile, appelée huile végétale, sur les étiquettes. Lorsque est venu ce PLFSS donc pour l'année 2013, je ne me trompe pas, j'ai sollicité les administrateurs du Sénat pour leur demander d'imaginer une mesure préventive qui permettrait de limiter l'utilisation de l'huile de palme, d'où l'amendement qui a été discuté par la suite. Alors, l'explication exacte, nous ne la connaissons pas. Lorsque les journalistes ont été saisis de la mesure proposée, ils ont tout de suite saisi que le principal produit commercial connu par tout le monde contenant de l'huile de palme était le Nutella. Et en fait, très vite, dans les médias, l'amendement est devenu l'amendement Nutella. L'amendement, en fait, a été voté très largement, 212 voix pour, 133 contre, par le Sénat. Mais la loi de financement de la sécurité sociale elle-même n'a pas été, à la fin des délibérations, votée. Donc, comme elle a été rejetée, tous les amendements, évidemment, sont tombés. Les députés avaient la possibilité de reprendre l'amendement et l'idée. Un député, donc Europe Écologie Les Verts, a présenté l'amendement à l'Assemblée nationale, mais celui-ci n'a pas été soutenu ni par la ministre, ni par la majorité, et il n'a pas été donc accepté. Alors, rappelez que les acides gras sont nécessaires à la vie, ce ne sont pas des poisons, c'est l'abus de consommation qui est nocif pour la santé. Et j'avais voulu à l'époque envoyer un signe à l'industrie pour lui dire stopper l'utilisation tous azimuts, tout produit du Nutella, et remplacez-le à chaque fois que c'est possible par une autre huile qui est moins nocive pour la santé. C'était un signal adressé aux industriels. Et le deuxième élément qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un tel impact médiatique que la population a été sensibilisée à cette question des huiles, en particulier de l'huile de palme, ce qui a d'ailleurs certainement généré quelques soucis pour le fabricant en question. Maintenant, je vais laisser au professeur Hasselmann l'animation de ce débat. Nous avons la chance d'avoir Emmanuel Grundmann, qui est primatologue et qui est spécialiste notamment de l'Indonésie. Et puis Laure Grégoire, qui est porte-parole de l'Alliance pour la protection des forêts. Ah, tu l'avais arrêté. Je croyais qu'il l'avait arrêté. Bonjour messieurs, dames. Merci mesdames d'être là. Merci pour l'introduction. Donc on va un petit peu réfléchir autour de l'huile de palme, hein, puisqu'on vient d'en parler. C'est un sujet qui est très connu dans le public. Je pense que tout le monde parmi vous a déjà bien évidemment entendu parler de cette question de l'huile de palme. Alors on va essayer de tirer un petit peu des enseignements, ce qui est véridique, ce qui l'est moins. En le plaçant, je le redis, on est dans l'Institut d'éthique alimentaire. Donc
Les questions qu'on va se poser ici, ou qui devraient surgir aussi de la salle, ce sont des questions éthiques. C'est-à-dire, ça a été dit par Jean-Louis Schlinger, c'est une histoire de une question de justice. Mais c'est aussi une question de valeur. Quand on parle d'éthique, ce sont des valeurs qui se confrontent. Il y a des valeurs qu'on appelle contradictoires. C'est-à-dire, les gens d'un bord vont s'opposer à des gens d'un autre bord au nom de valeurs. Donc on va essayer de débattre tout ça avec vous, mesdames. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est faire un rappel, peut-être, et puis vous me compléterez le moment venu, faire un rappel sur l'huile de palme. C'est une consommation importante dans le monde, je crois qu'on peut le confirmer. Moi, j'ai les chiffres à 50 millions de tonnes d'huile de palme par an, donc c'est dans le monde, c'est considérable. Puis quand on regarde les courbes d'importation dans les pays, on en a rediscuté tout à l'heure, on voit que les courbes d'importation augmentent. Donc tous les pays augmentent leur consommation d'huile de palme. Enfin, tous les pays, beaucoup de pays augmentent la consommation d'huile de palme. Depuis 2000 à peu près, de ce que j'ai noté, c'est à ce moment-là que ça augmente. Alors pourquoi on utilise de l'huile de palme ? Donc vous représentez l'industrie agroalimentaire principalement, mais c'est une huile tout à fait intéressante parce qu'elle est, indépendamment de ce qui a été dit par le sénateur, on en reviendra sur le côté santé, je dirais un mot là-dessus, mais c'est une huile intéressante parce qu'elle est, c'est un acide gras saturé, c'est-à-dire qu'elle ne s'oxyde pas. Donc ça ne rancit pas quasiment, c'est une huile qui ne rancit pas. Et puis elle a une texture aussi intéressante parce qu'elle est semi-solide, elle est moelleuse, comme on peut dire, à température ambiante. Donc c'est vrai que dans l'alimentation, elle apporte une consistance intéressante au produit. Et donc on en trouve un peu partout, c'est vrai que dans l'alimentation, quand vous regardez sur le packaging ou les paquets, il y a souvent écrit huile de palme ou huile végétale, mais huile de palme souvent. Donc elle est utilisée dans l'industrie agroalimentaire, mais pas seulement. Pas seulement, ça, il faut vraiment bien le savoir, et puis mesdames, vous me corrigerez ou vous apporterez des informations supplémentaires, parce qu'elle est utilisée également dans la cosmétique, et depuis quelque temps dans les hydrocarbures biologiques, les biocarburants, c'est ça ? Agrocarburants. Et donc c'est là, je crois que vous m'avez dit qu'il y avait une augmentation importante de l'introduction de l'huile de palme. Donc, dans les agrocarburants. Pourquoi ? Ben parce qu'on essaye d'avoir... pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans les raisons des agrocarburants. Bon, tout ça, c'est bien, non, finalement, l'huile de palme ? On peut dire que c'est bien. Le tout, c'est qu'il faut la produire. Et pour la produire, il faut la trouver là où elle est, c'est-à-dire dans le palmier à huile, qui porte un nom savant, peut-être vous nous le donnerez, dans le palmier à huile. Et ces palmiers poussent dans les zones tropicales et intertropicales. Ce qui veut dire que dans les grandes forêts au niveau mondial, en Indonésie, en Afrique, peut-être en Amazonie, mais il n'y en a pas encore, vous nous préciserez, madame, tout à l'heure, il y a des palmiers à huile. Alors, ça ne pousse pas avec les autres arbres, et donc il faut déforester. Et donc la question qui se pose là, c'est la question santé d'un côté, j'en dirai un mot, et écologique, déforestation et biodiversité. Et donc, mesdames, vous aborderez cette question de la déforestation et de la biodiversité. Et donc on est là dans un conflit de valeurs. Vous voyez, d'un côté, on veut faire de l'alimentation au fond pérenne, agréable, etc., mais au prix d'une déforestation à l'autre bout du monde. Donc c'est vraiment une question éthique pour nous. 25%, d'après ce que j'ai lu, de la déforestation en Indonésie serait due à l'exploitation de l'huile de palme. Peut-être plus maintenant, j'ai des chiffres de 2011, peut-être que ça a augmenté encore maintenant, vous nous corrigerez ça. Alors est-ce que c'est... Bon, le sénateur nous disait qu'il avait eu un problème de santé, comme beaucoup d'entre nous, et puis il s'est inquiété parce qu'il a vu que en allant au supermarché, il y avait marqué que sur le packaging, il y avait marqué huile végétale, huile de palme. Alors, est-ce qu'elle est toxique, cette huile de palme ? Bon, globalement, je dis non, elle n'est pas toxique. C'est une huile qui contient un acide gras particulier, l'acide, entre autres, palmitique, qui est à peu près 45% de la composition de l'huile de palme. Alors, c'est un acide gras saturé, donc il a les vertus qui sont des vertus énergétiques. Ça apporte 9 kilocalories par gramme, donc c'est un donneur d'énergie. Par ailleurs, l'huile de palme est riche en vitamine E et riche en vitamine A, etc. Donc elle aurait des côtés pas inintéressants. Et par ailleurs, elle n'est pas hydrogénée comme dans certaines margarines, etc. Donc quand on la regarde comme ça, on peut dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment une toxicité médicale ?
Puis il ne faut pas oublier qu'elle est très utilisée aussi comme huile traditionnelle en Asie, en Afrique, en Amérique latine. C'est une huile qui est très utilisée par les populations. Et nous, on en consomme à peu près 2 kilos par an, c'est ça, hein? Oui, 2,8 grammes par personne par jour, c'est la moitié d'une cuillère à café. C'est notre consommation. Ce sont les chiffres du CREDOC, qui est l'analyse du CREDOC qui date de 2014, donc assez récente. Nous sommes des petits consommateurs au niveau mondial pour l'alimentation. Oui, on ne la trouve que dans les produits transformés, puisque ce n'est pas dans nos habitudes de consommation une huile de cuisson comme en Afrique, où c'est vraiment utilisée comme une huile de cuisson. Chez nous, c'est vraiment dans les produits transformés. Oui, donc on est des. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut balayer le problème, hein, c'est pas ça, mais il faut qu'on sache que dans notre pays, on n'en consomme pas trop, mais c'est au niveau européen aussi. Au niveau européen, je crois qu'il y a une consommation qui est plus importante, et ben, mon Dieu, nous sommes européens. Alors, au niveau européen, la France est un petit consommateur, petit acheteur d'huile de palme, mais si on se place au niveau européen, on devient un gros acheteur. Et les principaux pays acheteurs d'huile de palme, c'est d'abord d'abord la Chine, l'Inde, l'Indonésie et l'Europe, à peu près à égalité. Donc du coup, l'Europe devient un acheteur important pour les pays producteurs. Donc sur ce qu'on va dire après, on peut déjà dire que l'Europe peut avoir une responsabilité, je veux dire, au niveau éthique. Complètement, et d'autant plus que c'est principalement en Europe que l'on se soucie de la production d'huile de palme, et où qu'on exige que l'huile de palme que l'on achète soit produite de façon durable. Donc c'est l'Europe qui tire la filière durable de l'huile de palme. Donc ça, vous allez nous le réexpliquer après. Alors est-ce que c'est dangereux pour la santé parce qu'elle est riche en acides gras saturés? Bon, j'ai fait l'analyse d'une bibliographie assez rapide, je vais vous en donner quelques résultats. Pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer, on ne trouve rien, quasiment rien. Est-ce que la relation huile de palme-cancer, on n'a pas de données pertinentes? Il y a une relation avec l'obésité, mais comme avec tout produit gras, c'est-à-dire c'est une question de quantité de consommation. L'huile de palme en elle-même n'a pas d'effet plus obésogène, si je puis dire, qu'une huile standard. C'est la consommation, la quantité et le sucre associé. Alors le Nutella a cette particularité, effectivement, d'avoir beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Donc il y a eu une campagne contre l'huile, mais il y a combien, Jean-Louis, 55 grammes dans 55% de... Donc vous voyez, c'est l'obésité, oui, mais comme avec tout, avec tous les autres produits. Non, la vraie question, et c'était soulevée par le sénateur, donc lui-même en a, dit-il, souffert, il a rattaché ça à une alimentation non équilibrée. Est-ce qu'il y a des données dans la littérature? Alors on trouve depuis longtemps des données en 2006 dans une revue, l'American Journal of Clinical Nutrition, donc des journaux très, très pointus, très intéressants, trouvaient dans une étude bien faite qu'il y avait une petite modification du mauvais cholestérol, mais qui était très peu significative. Dans une étude un petit peu plus tardive, en 2013, qui reprenait la littérature diffuse, il n'y avait pas de données pertinentes, on ne trouvait pas de choses qui étaient marquantes en comparant les prises alimentaires et les différents lipides. En 2014, dans une autre revue, qui est une revue aussi de référence, encore une fois l'American Journal of Clinical Nutrition, là aussi on retrouve un peu quelque chose sur le cholestérol, LDL cholestérol, mais qui est à la limite de la significativité, vous voyez. Et puis ainsi de suite, et puis encore en 2018, on a des études. Disons, on sent bien que dans la littérature au niveau international, il y a des études qui sont conduites. On essaye de trouver, d'avoir des preuves, etc., dans un sens ou dans l'autre. Et très souvent, comme on voit dans ces études de nutrition, les dernières phrases de l'article sont « des études complémentaires sont nécessaires pour ». Ça finit souvent comme ça. C'est-à-dire que les données que nous avons, et même au niveau de l'ANSES, qui a refait un manuel sur les apports en acides gras et en lipides chez les humains, les conclusions par rapport à l'huile de palme ne sont absolument pas néfastes et négatives. Donc au total, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a rien de décisif, là, en ce moment, scientifiquement, sur la consommation normale, en quantité normale d'un lipide, que ce soit le lipide d'huile de palme ou autre. Voilà. Donc,
pour avancer, parce que le problème le plus important maintenant, je crois, c'est un problème d'écologie et de biodiversité et la déforestation. Donc pour ce faire, on a la chance de vous avoir, mesdames. Donc on va commencer par vous, madame Grundmann, pour nous parler de la répercussion de l'impact de la consommation sur la biodiversité. Oui, alors moi, j'ai travaillé sur les orangs-outans, donc en Indonésie, en particulier à Bornéo, et c'est comme ça que j'ai été confrontée pour la première fois aux palmiers à huile, là où donc j'étais en forêt, et en fait, la forêt s'arrêtait, et derrière, on avait des palmeraies qui, chaque année, tous les 6 mois, avançaient de plus en plus. Et une partie, alors moi je travaillais dans un contexte un peu particulier, c'était des orangs-outans qui avaient été saisis auprès de trafiquants et braconniers et qui étaient réintroduits en forêt. Et beaucoup de ces orangs-outans avaient été en fait saisis dans des plantations de palmiers à huile et se retrouvaient justement sans domicile du fait que leur forêt avait disparu. Et donc c'est à partir de cette plongée en compagnie des orangs-outans que j'ai été confrontée pour la première fois à cette huile de palme, à ce palmier à huile que je ne connaissais pas du tout. C'était il y a un peu plus de 20 ans, et en Europe, enfin en France, on en parlait très très peu à cette époque-là. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était totalement inconnu. Enfin, quand j'en parlais en revenant, personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait. Et c'est vrai que bon, depuis les choses ont bien changé et tout le monde maintenant a entendu au moins une fois parler de cette huile de palme. En Indonésie, chaque fois que j'ai pu y retourner jusqu'à récemment, les palmeraies ont continué à s'accroître. Et là, on ne parle pas juste de déforestation de petits blocs de forêt, mais vraiment d'immenses monocultures sur des milliers d'hectares, parfois, surtout dans le sud de Bornéo, où on a énormément de forêts de plaine qui ont été totalement rasées pour installer ces grandes monocultures. Et donc là, on touche du doigt le problème majeur de cette agriculture, enfin de cette production, qui est un problème environnemental, puisque pour cultiver ce palmier qui auparavant, en fait c'est un palmier qui est originaire d'Afrique de l'Ouest, alors on parlait de son nom latin tout à l'heure, c'est Elais guineensis, donc la référence à la Guinée montre ses origines, et il est utilisé depuis tout le temps en fait en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest par les populations pour leur alimentation. Et son histoire est assez intéressante parce qu'en fait, on l'a connue assez tardivement en Europe. Et alors les premières occurrences, c'était sur les bateaux qui faisaient le commerce d'esclaves, où on mettait des régimes de fruits, de palmiers, parce que justement, ils étaient très riches en acides gras et en vitamines, et ce qui permettait aux esclaves de survivre à la traversée. Et ensuite, pour faire assez court, c'est un certain William Lever, dont vous connaissez peut-être le nom, puisque c'est le nom qui compose Unilever aujourd'hui, qui fabriquait des savons. En fait, il avait hérité de la savonnerie de son père en Angleterre. Et donc, on est à l'époque de la révolution industrielle en Angleterre. Et donc, il y a un besoin de plus en plus grand de savon. Et donc, on utilisait du suif, etc. Et donc, lui a commencé à utiliser de l'huile de palme pour fabriquer ses savons. Il a fait aussi des nouveaux savons découpés, les savons qu'on connaît aujourd'hui, emballés individuellement. Et il y avait une demande de plus en plus forte. Et l'huile de palme qu'il importait d'Afrique de l'Ouest ne suffisait plus. Et il a commencé à chercher des endroits pour installer les premières cultures. Parce que là, on n'était pas sur des plantations. On était sur des palmiers qui étaient dispersés dans la forêt et qu'on venait récolter, mais qui n'étaient pas cultivés à proprement parler. Et donc, il a commencé à chercher un territoire pour installer ses plantations, d'abord en Afrique, mais les problèmes politiques étaient trop importants, la politique était trop instable, et il s'est dirigé vers l'Asie du Sud-Est. Et les premières vastes plantations, par la suite, ont commencé à apparaître début du XXe siècle. Et depuis, en fait, l'expansion n'a plus cessé. Et du coup, voilà, on est aujourd'hui face à un véritable problème environnemental majeur, puisqu'on a
énormément de forêts qui sont sacrifiées pour ce palmier. On estime par exemple qu'en Malaisie et Indonésie, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 60% de la forêt qui a été rasée pour installer des plantations de palmiers à huile. Et non seulement on les rase, mais on brûle la forêt. D'abord, on coupe le bois intéressant pour le vendre, et ensuite le reste, on le brûle. Et on est sur des forêts qui sont souvent installées sur des forêts de tourbières, et donc qui vont brûler très longtemps, parfois des mois durant, et qui rejettent énormément de CO2 dans l'atmosphère, ce qui fait que, par exemple, l'Indonésie caracole en tête des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on a en plus un problème climatique qui vient se greffer à cette disparition aussi de la forêt, qui ne peut plus non plus jouer son rôle de tampon au niveau climatique. Et les animaux, alors, là-dedans ? Et les animaux, effectivement, dans le sillage de cette forêt qui est rasée, vous avez la plupart des espèces qui disparaissent par la même occasion. On estime qu'environ, alors il y a énormément de chercheurs qui ont travaillé sur cette question, on estime qu'il y a environ 70% des espèces qui disparaissent une fois que la forêt est rasée. Alors on a beaucoup parlé des orang-outans dans le cas de l'huile de palme, parce qu'évidemment c'est une espèce emblématique, c'est une espèce que tout le monde connaît, puis qui est plutôt sympa. C'est vrai qu'on ne va pas utiliser un bousier ou une espèce moins sexy pour parler de cette déforestation. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'orang-outan, qui est une des premières victimes de cette disparition de la forêt, mais dans son sillage, il y a énormément d'autres espèces. Alors l'orang-outan, il est un peu plus flexible, il peut néanmoins survivre dans des forêts un peu dégradées, donc il arrive en plus à se replier désormais sur des zones d'altitude, des forêts d'altitude, parce que le palmier va pousser jusqu'à une certaine altitude, mais pas au-delà. Donc l'orang-outan, on le retrouve maintenant de plus en plus sur des zones un peu plus élevées où il n'habitait a priori pas avant. Mais après, il y a d'autres, si on parle que des singes, tout à l'heure on évoquait les gibbons, les siamangs, qui eux, par exemple, ne peuvent pas survivre quand la forêt n'est plus là. Et donc ça, c'est des espèces emblématiques, mais vous avez aussi tous les insectes, les reptiles, les oiseaux, et puis tout un cortège aussi de plantes qui s'en vont avec cette forêt. Et ce qu'on oublie aussi trop souvent, c'est que il y a énormément de populations aussi qui vivent de la forêt, donc soit des produits que vont leur apporter la forêt, par exemple du rotin, des plantes médicinales, des noix, etc., et qui soit les consomment pour leur propre consommation, soit qui les vendent, donc avec des micro-économies. Et on a aussi des populations qui vivent encore dans les forêts, qui vraiment dépendent totalement de la forêt et qui subissent de plein fouet cette expansion du palmier à huile. Et ça, c'est centralisé en Indonésie ou on voit en Afrique ça commence ou pas ? Alors en fait, ça a commencé donc, comme je disais, William Lever, les premières plantations. On était vraiment en Asie du Sud-Est, donc Indonésie, Malaisie. Donc là, c'est les deux pays qui vraiment ont développé les premiers et qui caracolent toujours en tête de la production d'huile de palme. Et aujourd'hui, ce palmier à huile revient en Afrique, donc dans énormément de pays d'Afrique centrale, et s'exporte aussi en Amérique latine. On en trouve en Colombie, on en trouve beaucoup au Pérou aussi, et dans d'autres pays, avec exactement les mêmes problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes et des problèmes environnementaux. Et notamment, j'avais pu aller au Pérou, il y a aussi beaucoup de problèmes liés au droit du travail. Les gens qui travaillent au sein de ces plantations sont souvent des contractuels, c'est-à-dire que ainsi l'industriel n'a pas à payer de sécurité sociale, etc., tout ce qui va autour, et il peut en fait c'est de la main-d'œuvre Kleenex qui paye très très peu, et il en change régulièrement parce que de toute façon il y a toujours de la demande pour travailler. Donc là, on a aussi greffé sur les autres problèmes des problèmes liés au droit du travail. Merci beaucoup. Je voulais demander, Madame Grégoire, peut-être, puis on reviendra peut-être à vous, Madame Grundmann. Madame Grégoire, vous représentez l'Alliance pour la préservation de la forêt. Hein, vous nous expliquerez ce que c'est comme structure. Mais la question qui me vient, à qui profite le crime pratiquement là ? Je veux dire, on est en train d'écouter que
l'huile de palme, la déforestation. Est-ce que localement, il y a des trafics, des mafias, ça marche comment ? Alors, donc pour me présenter, d'abord, l'Alliance pour la préservation des forêts, c'est un groupement d'industriels acheteurs d'huile de palme. Donc, je crois qu'il y a un slide qui va vous donner qui sont les membres qui font partie de notre alliance. Donc, ce sont tous des acheteurs d'huile de palme qui ont voulu se fédérer pour avoir une puissance beaucoup plus importante auprès de ceux à qui on achète l'huile de palme et de demander un certain nombre de garanties sur la qualité de l'huile de palme qu'ils nous vendent. Donc des garanties en matière de protection des forêts, de respect des droits de l'homme et respect du droit des travailleurs et protection aussi de la biodiversité et donc des espèces animales. Donc voilà, vraiment un groupement d'industriels engagés dans le développement de la filière durable. Et pour revenir à votre question, l'Indonésie et la Malaisie sont donc, comme le disait Emmanuel, les plus gros producteurs d'huile de palme au monde. Ils produisent 85% de l'huile de palme. Et ils se sont nettement développés grâce à cette culture, d'un point de vue économique, depuis que ça a été, qu'ils ont fait ce choix-là, et en particulier depuis les années 80. C'est pour ça aussi leur développement économique fait aussi rêver certains autres pays comme l'Afrique qui se lance aussi dans cette production là. Donc la production d'huile de palme, elle augmente toujours autant, elle augmentera toujours parce qu'il y a une demande importante qui s'explique par l'augmentation de la population mondiale et donc ce qu'il faut réussir à faire à présent, c'est de garantir que le développement de cette huile de palme se fasse de façon respectueuse avec la préservation de la planète. C'est sûr que ça risque d'être un combat difficile, parce que d'un côté, si, comme vous le dites, ça augmente le PIB de façon franche, explosive d'un pays comme l'Indonésie, vous le dites, ça fait rêver d'autres personnes. Alors, en regard de ça, comment peut-on réagir, quoi ? Je veux dire, c'est une difficulté considérable. Il y a du trafic sur l'huile de palme ou sur les palmiers à huile ? En fait, oui, par rapport à votre question sur la mafia, en Indonésie, alors en Malaisie, non, mais en Indonésie, il y avait une mafia du bois qui était installée sous le régime de Suharto, qui l'avait permis parce qu'il récupérait une partie de l'argent généré par l'exploitation illégale des essences précieuses dans les forêts. Et une fois tous ces arbres à forte valeur économique exploités et donc disparus des forêts, en particulier de Bornéo, de Sumatra, en fait, ces mafieux du bois se sont reconvertis aujourd'hui dans l'huile de palme. Et donc, c'est une petite partie des exploitants d'huile de palme au niveau indonésien. Évidemment, c'est pas la majorité, mais on a aussi une mafia qui existe et qui est implantée en Indonésie. Merci. Madame Grégoire, quand vous parlez d'alliance pour la préservation de la forêt, sur votre site, j'ai vu, et on en a parlé tout à l'heure, c'est pour l'agroalimentaire principalement. Il n'y a pas de peu de fabricants de cosmétiques et pas du tout de pétroliers. Non, en effet. Donc c'est au départ un groupement d'industrie agroalimentaire parce que la problématique huile de palme, on la connaît parce qu'on en mange. Donc c'est pour ça que ce sont des industries de l'agroalimentaire qui se sont fédérées en premier. Les campagnes de communication des ONG, celles de Greenpeace contre KitKat, notamment de Nestlé, ce sont des produits alimentaires qui ont été pris pour cible en premier. Donc c'est pour ça que le secteur alimentaire a bougé plus vite que les autres. Mais on sait aussi que le secteur de la cosmétique bouge aussi pas mal pour s'assurer que son approvisionnement en huile de palme respecte un cahier des charges et donc apporte des garanties en matière de protection de l'environnement. Donc, c'est le secteur agroalimentaire qui a bougé en premier. Et pour faire compléter sur notre alliance, on est aussi sur toutes les matières premières qui ont un impact sur la déforestation. Là, on est là pour parler de l'huile de palme, mais il y a aussi le soja, le cacao, le café. C'est pas le même endroit, mais c'est toujours de la forêt tropicale. Donc l'huile de palme, on la trouve en Asie du Sud-Est, comme le caoutchouc, par exemple, EVA.
Le cacao, le café, le cacao se trouve en Afrique. Le soja, des forêts aussi du côté de l'Amazonie. Donc voilà, on est sur toutes ces matières premières qui ont un impact sur la déforestation pour essayer de peser plus lourd et obtenir le plus de garanties dans nos achats. Alors là, on arrive à un point là où, au fond, on pourrait se dire, pour nous, hein, occidentaux, qui consommons de l'huile de palme, puisqu'on parle que de l'huile de palme de l'agroalimentaire ici, dans notre réunion, on ne parle pas des des agrocarburants, ben, la réponse est simple, il faut mettre une autre huile dans l'alimentation plutôt que de l'huile de palme. Hein, on n'a qu'à mettre autre chose et puis tout sera réglé. Alors, je pense qu'on doit se dire ça, comme ça, c'est, voilà, indépendamment, enfin, tout sera réglé. Pour nous, du moins, on dira, ben voilà, il n'y a plus de déforestation. Donc, pourquoi on ne met pas une autre huile dedans? Alors, ben, ça existe déjà. Il y a quand même un grand nombre de produits qui ont substitué l'huile de palme par une autre matière première. Alors, généralement, c'est remplacé. Comme c'est difficile d'obtenir la texture de l'huile de palme, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ce qui s'en approche le plus, c'est le beurre. Ça a la même consistance. Donc, on remplace par le beurre. Mais bon, le beurre est plus cher que l'huile de palme. On peut remplacer aussi par de l'huile de coco qui a la même consistance. Ça, c'est quelque chose qui est en train de progresser beaucoup ces temps-ci. Mais alors attention, l'huile de coco, c'est une huile qui est encore plus grasse que l'huile de palme. Il y a 80% d'acide gras saturé. Oui. Et la production est encore maigre, mais si ça devient... On aura le même phénomène. Hein. Voilà, on aura aussi un problème de déforestation si la consommation venait à exploser. Et sinon, bah, les autres huiles que nous, on connaît, tournesol, colza, en les hydrogénant, on peut arriver à obtenir une texture... Oui, mais il faut les hydrogéner, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire une sorte de pseudo-margarine, et puis il y a des acides gras trans qui apparaissent à ce moment-là. Donc il y a aussi une toxicité, peut-être, dans ces... Donc vous êtes en train de dire qu'au fond, c'est difficile de remplacer... Enfin, vous dites, moi aussi, ça doit être difficile pour l'industriel de remplacer l'huile de palme, c'est pas impossible, mais il y a des conséquences quand même. Si on le faisait, il y aurait des conséquences sur la production de coco, sur la production peut-être d'huile de soja aussi, pourquoi pas. Il faudrait peut-être mettre l'huile de soja, etc. Alors, faut manger moins d'huile finalement. Du coup, si on imagine qu'il n'y ait plus du tout d'huile de palme, pour nos marchés, donc le marché français est vraiment un trop petit acteur pour que ça ait une incidence, mais imaginons que toute l'Europe arrête d'acheter de l'huile de palme et remplace l'huile de palme. On stoppe toute la production d'huile de palme durable parce que l'huile de palme durable elle est achetée exclusivement à 80% par l'Europe. Donc il n'y a que les Européens qui achètent une huile de palme durable. Les Indiens, les Chinois et les Indonésiens n'ont pas les exigences que nous on a en Europe de dire que l'huile de palme qu'on veut, il faut qu'elle protège les forêts, que les travailleurs aient des conditions de travail décentes, qu'il n'y ait pas de travail d'enfants, que les femmes aient un statut de travailleur également. Voilà, donc cette huile de palme durable, si l'Europe arrête d'acheter de l'huile de palme, durable ou pas durable, en tout cas, ça met un frein à... Ça tue en fait toute cette filière durable qui a été lancée à peu près, qui a démarré en 2005 sous l'impulsion d'Unilever, de WWF et d'autres planteurs qui ont lancé cette filière durable. Alors au travers d'une certification qui existe, qui s'appelle RSPO, il y a d'autres certifications, il y a aussi maintenant d'autres démarches qui sont mises en place, des industriels qui sont suffisamment importants pour réussir à dépasser les critères seuls de la RSPO. Voilà, donc il y a une différente définition de ce qu'est la durabilité de la filière huile de palme. Donc ça c'est quelque chose qui, donc une huile de palme qu'on pourrait qualifier de vertueuse, quoi, qui serait ou qui est, pas qui serait contrôlée, des cultures contrôlées. Si on passait à une autre huile que le palme, il faudrait bien aussi déforester pour la faire pousser à droite à gauche, vous l'avez dit. Donc, et là, est-ce qu'on aurait aussi du contrôle vertueux ? Il y a beaucoup d'experts qui montrent qu'on pourrait cultiver aussi de l'huile de palme parce qu'elle est intéressante aussi. Là, on a parlé de ses propriétés au niveau de sa texture, mais c'est aussi une huile de palme qui est très rentable à l'hectare. C'est la plus rentable de toutes. En moyenne, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, 4 tonnes à l'hectare, entre 4 et 8. Et le soja, c'est moins d'une tonne à l'hectare. Elle est très peu mécanisée.
donc ça génère aussi beaucoup d'emplois. Donc c'est vraiment une plante qui peut être extrêmement intéressante, et beaucoup d'experts ont montré qu'elle pouvait être, on pouvait utiliser des terres dites dégradées ou des terres agricoles abandonnées qui existent, qui sont nombreuses, mais dont personne ne fait rien, sauf que comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait c'est très intéressant pour beaucoup de déforester parce qu'on a aussi l'apport du bois, et en plus il y a un autre aspect qui intervient, c'est que sur la forêt, c'est très facile de. Il y a peu de problèmes juridiques avec les populations à déplacer. Il y en a souvent très peu, et en général, elles posent peu de problèmes parce qu'elles n'ont pas les moyens de se défendre. Donc, du coup, voilà, c'est la forêt, c'est l'endroit idéal pour installer des nouvelles plantations. Alors qu'on pourrait les mettre ailleurs, on pourrait avoir une production durable. Et vraiment avec des critères stricts pour une huile de palme zéro déforestation. Ça pourrait exister, sauf que pour l'instant, c'est encore bien difficile à mettre en place. Il y a encore énormément de freins, mais ça pourrait être quelque chose de faisable. Et pas seulement du palmier à huile. D'ailleurs, sur ces terres dégradées, on pourrait cultiver d'autres choses, mais ce n'est pas souvent le chemin qui est choisi par les planteurs. Ça se trouve où, ces terres dégradées dont vous parlez ? Il y en a partout. Au niveau de la planète, dans la zone là où ça pousse, on pourrait planter. Ah bah, il y en a vraiment partout, parce que souvent, en fait. De l'eau aussi, il faut beaucoup d'eau pour le palmier de. Non, pas particulièrement. Non. Il n'y a pas besoin d'énormément d'eau. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien du tout. Ça pousse. Si, il faut le traiter ou pas ? Alors oui, il y a besoin de traiter, mais relativement peu par rapport à d'autres arbres. Il n'y a pas besoin de beaucoup de pesticides. Et dans les plantations durables, on demande à ce que soit interdit l'usage de pesticides. Il y a des alternatives dont tu peux peut-être parler qui sont écologiques, qui fonctionnent très bien et qui remplacent les pesticides. En Colombie, par exemple, j'ai visité des plantations d'huile de palme bio. Donc là, il y a zéro pesticide. Et c'est que c'est de la lutte biologique. Et ça marche extrêmement bien. Et là, on a moi, ce que j'ai vu, c'était aussi des palmiers beaucoup plus âgés. Parce qu'en Indonésie, en Malaisie, en fait, on les exploite jusqu'à un certain âge. Puis on abandonne les plantations parce que c'est plus rentable de déforester et d'en refaire une plus loin. Donc une durée de vie, j'allais dire 20 ans, voilà, 25 ans. Les plantations bio que j'ai pu voir en Colombie, elles avaient déjà au moins 40 ans. Et elles étaient toujours rentables. Certes, moins, mais elles l'étaient toujours. Donc voilà, il y a énormément de questions qui se posent, mais il y a quand même des chemins qui peuvent être pris pour aller dans une autre direction. Et on l'a évoqué brièvement tout à l'heure. Là, on parle beaucoup de l'alimentation, puisque c'est le sujet. Mais là, au niveau européen, il y a un énorme problème qui arrive et qui nous arrive de plein fouet. Ce sont les agrocarburants. Et vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a cette raffinerie de la Med de Total qui se lance dans les agrocarburants pour sauver les emplois de cette raffinerie, pour sauver cette raffinerie, et on va importer des centaines de milliers de tonnes d'huile de palme pour alimenter nos voitures. Et cette raffinerie, en fait, va constituer le plus gros volume d'importation d'huile de palme en France. Ça va dépasser toutes les utilisations qu'on peut faire pour l'agroalimentaire. Donc là, on va arriver sur un basculement et un problème majeur qui dépasse, pour le coup, cette fois-ci, l'alimentation. Parce que bon, pour l'alimentation, là, quand on vous écoute, mesdames, et puis quand on plante le problème, on sent qu'il y a une question, il y a un problème, etc. Mais on a l'impression qu'on pourrait avoir une solution, on pourrait avoir une réponse. Au fond, remplacer l'huile de palme dans l'alimentation, ça paraît difficile, et puis peut-être que ce n'est pas pertinent sur le plan de la santé. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette huile. Il ne faut pas en manger beaucoup, comme toutes les autres. Et puis pour la production, on a l'impression qu'on pourrait y arriver, je veux dire, avoir une huile de palme vertueuse. Donc on a ces deux valeurs-là, et sans déshabiller les producteurs indonésiens, sans mettre à mal la culture, le PIB d'Indonésie, on pourrait y arriver. Ouais. Donc on va y arriver. Vous avez marqué sur votre plaquette, j'ai noté, zéro déforestation en 2020. À l'horizon 2020, c'est un engagement qui a été pris par les entreprises. Vous le maintenez ?
Ah ben, on fait tout pour et on est poussé et scruté par les ONG pour qu'on puisse tenir cet engagement. Et on y sera, enfin, toutes les entreprises n'y seront pas, c'est sûr, mais en tout cas, il faut aussi se fixer des échéances comme ça. Et à court terme, on a vu, là, il y a un texte qui va sortir prochainement du côté du ministère de la Transition écologique et solidaire pour mettre fin à, enfin, lutter contre la déforestation importée, où on parle d'objectifs à 2030. Bon, c'est encore plus loin. Vaut mieux, je pense que c'est bien d'avoir des objectifs à court terme pour essayer d'aller aussi vite que l'on peut. Bien, on va peut-être passer la parole à la salle. Hein, je pense que vous avez... Parce que je trouve que, alors, je ne sais pas si c'est moi, est-ce que c'est parce qu'on est tous en digestion, mais il faut mettre un peu de peps, en fait. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le bouquin d'Emmanuel, parce que j'ai adoré ce bouquin. Je partage, hein, je suis comme vous. J'ai découvert beaucoup plus l'huile de palme grâce à vous, grâce à votre livre, que vous pourrez retrouver d'ailleurs à la sortie, si vous voulez, en signature, bien sûr. Racontez-nous un petit peu cette histoire-là. C'est un vrai jeu pour les familles, et moi, je trouve que c'est extraordinaire, parce que vous ne dites alors, pas que l'huile de palme, c'est pas bien. Mais vraiment, on peut partager et découvrir que l'huile de palme, ce n'est pas uniquement dans la cuisine. Oui, dans le livre, on a voulu faire justement, dans cette collection qui a été lancée suite en fait, au film Demain. Et donc, avec le magazine Kaizen, ils ont lancé cette collection avec les éditions Actes Sud. Et donc, l'idée, c'est aussi d'être assez ludique par rapport à toutes ces questions de société, environnementale, de société, etc. Et pour l'huile de palme, donc, on s'est amusé justement à faire un petit, une sorte de jeu de piste dans la maison pour essayer que les gens retrouvent tout ce qui contient ou tout ce qui peut contenir dans leur quotidien de l'huile de palme, et on s'aperçoit qu'il y en a effectivement. Alors, on peut peut-être poser la question à la salle. Est-ce que vous savez où il y a de l'huile de palme dans votre maison, à la maison, dans quelle pièce? Allez. Dans la cuisine. Ça, c'est la cuisine, c'est facile. Ça, c'est facile. Là, il y en a. Dans d'autres endroits. Oui, exactement. Par exemple. Oui. On parlait de savon, mais d'autres choses. Oui, puis on peut la trouver. Alors ça, moi, je ne savais pas. Par exemple, dans certains médicaments aussi, dans du Doliprane. Qu'en fait, tiens, la chimie fabrique plein de fractions à partir de... alors, déjà, on n'a pas parlé, mais on dit toujours l'huile de palme, mais en vérité, on a l'huile de palme et l'huile de palmiste. Donc, l'huile de palme, c'est la pulpe, et l'huile de palmiste, c'est le noyau, enfin, l'amande à l'intérieur du noyau. Et après, on en fait encore plein de composés différents avec des noms tout aussi barbares les uns que les autres. C'est pour ça que c'est si difficile parfois à trouver ce qui contient ou non de l'huile de palme dans nos produits du quotidien. Les laits en poudre pour bébés, pour certains, en contiennent aussi. Et après, il y a énormément de choses. Vous allez prendre un cappuccino, vous risquez d'en avoir dans la crème. Oui. Et puis évidemment, dans les... En gros, il y en a partout. Il y en a un peu partout. Alors après, quand on regarde, c'est énormément dans les produits transformés. Oui, après, c'est les produits transformés. Dans les produits du marché, il n'y en a pas. Voilà, moi, on achète de produits transformés. Il y a eu une étude qui a montré que si on réduisait de 90%, on enlevait l'essentiel de ces produits transformés, l'huile de palme chutait de 90%. Oui. Parce que c'est vrai que c'est essentiellement, quand vous faites la cuisine, c'est ce que tu disais, Laure, on n'utilise pas, nous, de l'huile de palme comme ça pour frire, comme on peut le faire dans d'autres pays, notamment en Afrique centrale ou même maintenant en Indonésie. Hein. Bon, ça, c'est là. Effectivement, il y en a partout. Et puis, mais ça, la question reste entière. C'est-à-dire qu'il y en a partout, on le sait. La question reste entière. Qu'est-ce que l'on fait maintenant pour qu'il y ait une justice au niveau mondial entre producteurs et consommateurs, santé publique, etc. C'est ça la question éthique qui est au fond. C'est, si on arrête, comme vous le dites, l'huile de palme, les gens du bout du monde, ils auront, pas pour nous, mais ils auront des difficultés, etc. Donc c'est le cœur de la question, il est là. C'est ça la question. Quelque part, on peut dire aussi que
Après, on peut penser ce qu'on veut de l'amendement Nutella ou des campagnes justement sur les KitKat de Greenpeace, sur le fond, justement sur est-ce que c'est bon de manger du Nutella ou pas. Mais ces campagnes ont eu le mérite d'attirer l'attention sur l'huile de palme et justement de faire en sorte, ce que disait Laure, que tout d'un coup les consommateurs réagissent, mais aussi les industriels, et de voir que justement les industriels européens essayent de tirer vers une autre type d'exploitation, une autre façon de cultiver ce palmier. Et là, on a eu tous notre rôle à jouer. Et c'est là où on voit que finalement, on a tous ce rôle à jouer qui peut nous paraître parfois assez dérisoire. Mais malgré tout, on voit que ça fait boule de neige. Et aujourd'hui, bah voilà, l'alliance est là. Il y a des choses qui sont en route. Alors, ce n'est pas parfait, certes, mais ça avance. Et du coup, on voit que on avance tous ensemble. Et c'est, ah non, mais c'est vrai que c'est. Vous avez raison. Le fait d'avoir dit l'histoire de Nutella, c'est vrai que ça a jeté. Je ne sais pas combien de gens parmi vous, avant cette histoire de Nutella, avaient notion d'huile de palme. Quoi, c'était bon, on savait, mais pas à ce point-là. Je crois que c'est effectivement l'idée de la déforestation, de la biodiversité, etc. C'est la question qui a surgi et qui a alerté nos consciences ici. Alors, vous avez des questions à nous poser, madame ? Bonjour. J'étais en Indonésie, entre autres à Bornéo et à Sumatra, et j'ai un petit peu de moi du mal à associer développement durable et huile de palme. Pour moi, j'ai un sentiment que c'est deux choses qui ne vont pas très bien ensemble. On a remplacé une forêt pluviale primaire avec une biodiversité absolument incroyable. On a remplacé ça par une monoculture. J'ai roulé parfois 5 ou 6 heures d'affilée, entouré uniquement de palmiers à huile. C'est pas une forêt, c'est une monoculture, c'est d'immenses pieds de maïs, mais sur des centaines de kilomètres sans s'arrêter. C'est une catastrophe écologique. C'est une forêt morte, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Voilà, pour moi, huile de palme et développement durable, j'ai un petit peu du mal à associer ça, surtout que ça continue et qu'on a beau dire on veut être vertueux, on veut utiliser, mais en pratique, on détruit cette forêt primaire que jamais on ne retrouvera. Parce que, comme vous dites, on brûle. Donc, même si on arrêtait de l'exploiter, ça ne donnera plus rien. C'est totalement mort. Et à part quelques plantations bio ou un petit peu plus vertueuses ou un peu moins destructrices, c'est totalement mort, à part le palmier à huile. Et sur des surfaces qu'on ne peut même pas imaginer. Vous pouvez aller de Strasbourg à Paris sans jamais sortir du champ d'huile de palme. Et ça, je trouve ça vraiment dramatique. Madame Grégoire. Oui, écoutez, on fait évidemment le même constat que vous. Ensuite, on n'est pas propriétaire de ces forêts. Idéalement, dans un monde idéal, il faudrait mettre sous cloche l'Asie du Sud-Est, le bassin du Congo et l'Amazonie. Vous voyez ce que Bolsonaro prévoit de faire sur l'Amazonie. On s'oriente aussi sur un massacre de la forêt amazonienne. Donc là, pour le coup, oui, c'est ce que vous avez vu est vrai. Je l'ai vu aussi et c'est affligeant. Mais on n'a pas le poids pour exiger de la Malaisie, l'Indonésie, propriétaire de leur forêt, de les raser. Mais par contre, on fait quand même un lobbying assez important pour qu'ils nous entendent et qu'on voit aussi qu'ils n'apprécient pas ces pays-là quand il y a des taxes Nutella qui sont discutées au niveau européen ou au niveau français. Donc on est entendu, on sait quand même que ces pays nous entendent et depuis quelques années, on a le sentiment qu'ils essayent de s'engager. Alors c'est très parcellaire. En Indonésie, c'est des chefs de district parce que le pouvoir est très décentralisé. Donc il y a quelques chefs de district. Et à Bornéo, c'est l'État de Sabah notamment qui est en train de protéger ces forêts. Du coup, c'est des forêts qui, pour le coup, vraiment mettent sous cloche des espaces forestiers. Pour ce qu'il en reste, parce que c'est vrai qu'il ne reste plus grand-chose sur l'île de Bornéo en termes de forêt. Et voilà, donc on est dans ce bras de fer-là où on ne peut pas non plus imposer à la Malaisie et l'Indonésie de ne pas exploiter leurs terres comme ils le veulent. Et donc voilà, donc on essaye de faire ce contrepoids
avec eux aussi. Oui, oui, oui. Certainement, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui reste en surface de la forêt? Vous dites forêt primaire ou forêt primitive. Combien il en reste à Bornéo en surface par rapport à ce qu'il y avait auparavant? Vous avez une idée de ça ou pas? Parce que bon, maintenant, le mal est fait. Hein, si la forêt primaire a été détruite pour maintenant, est-ce qu'on peut encore protéger, sauver la suite? Je n'ai pas un chiffre exact, mais c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose. Enfin, aujourd'hui, même Bornéo, qui, bon, alors Sumatra, c'est vraiment des confettis, hein, parce que ça a été extrêmement déforesté avant Bornéo même. Bornéo, il en reste un petit peu plus, et notamment les zones inaccessibles qui sont en montagne. Mais il y a plus de la moitié de la forêt qui a disparu. Aujourd'hui, le dernier territoire où il reste encore beaucoup de forêt sur l'archipel indonésien, c'est la Papouasie. Sauf que tout le monde a le regard aussi, et le gouvernement en particulier, sur ce territoire, parce qu'on a de l'or, on veut implanter du palmier, et il reste encore des essences précieuses. Et en plus, alors après, il y a des problèmes ethniques aussi qui s'ajoutent à ça. Le gouvernement central aimerait bien justement faire taire les populations papoues. Donc, vous avez tout ça qui entre en jeu dans une partie d'échec assez complexe, qui fait que les forêts de la partie indonésienne de la Papouasie sont aussi en train d'être rasées. Donc, voilà, ça diminue de plus en plus. Et malgré tout, il y a quand même des initiatives, comme disait Laure. Enfin, il y a quand même un contrepoids. Les ONG font énormément de choses. L'opinion générale aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas. Parfois, on peut pas aller à l'encontre des décisions politiques. Et quand on voit effectivement au Brésil ce qui s'annonce, ça risque d'être catastrophique. Alors là, plutôt sur le front du soja en particulier, mais c'est le même type de scénario. Ils vont déforester aussi. D'autres questions dans la salle? Jean-Louis. Allez. Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser des zones désertiques, entre guillemets, je pense par exemple au Sahara, où je sais qu'il y a des endroits où il y a des gisements d'eau énormes, et il y a d'ailleurs des exemples, mais alors c'est pas du palmier à huile, c'est d'autres palmiers, mais les oasis de Fachi-Bilma au Niger par exemple, et il y a des endroits où il y a de l'eau. Est-ce que, alors là, on ne déforeste pas puisque du désert par définition, c'est techniquement possible ou c'est un rêve? Alors là, j'avoue que je ne saurais pas répondre. Après, ça me fait réagir parce que on a évoqué les agrocarburants. C'est vrai qu'après aussi, étendre de plus en plus ces surfaces agricoles pour produire des plantes qui vont nourrir les voitures, c'est aussi quelque chose qui est totalement absurde. Et on est là sur un autre type de question éthique qui n'est certes pas, enfin, qui est aussi alimentaire quelque part. Et c'est vrai qu'après, la question qui peut se poser aussi, c'est à quoi vont servir l'expansion de toute cette culture? Est-ce que c'est véritablement pour nourrir la planète ou pour... Non, mais je ne sais pas vraiment tout à fait... Oui. Détruire, oui, les forêts tropicales, mais, ou planter dans le désert. Mais en fait, je ne sais pas. Pour le palmier... pas de planter dans le désert pour élever du pétrole au-dessus au lieu de le chercher en dessous. C'était pas... Mais c'est vrai que, voilà, en fait, je répondais à moitié, mais je réagissais. En fait, pour la première partie, je ne sais pas. Je pense que Laure ne sait pas non plus sur si c'est donc possible. C'est... Mais c'est vrai que voilà, ça me faisait réagir par rapport aussi à autre chose qui allait au-delà de votre question. Ça viendra peut-être. Des questions dans la salle encore? Monsieur Lamars. Merci. Si je ne me trompe pas, le label RSPO aujourd'hui, il n'interdit pas la déforestation de forêts secondaires. Est-ce que c'est un engagement qui est prévu plus ou moins court terme? Alors, merci de votre question. La RSPO, en effet, ne prévoit pas la protection des forêts secondaires. C'est-à-dire qu'elle protège les forêts primaires, qui sont des forêts vierges. Mais les forêts primaires sont aussi des forêts qui ont de la valeur carbone, qui sont riches de biodiversité et qui, selon nous, méritent d'être protégées. Et donc, nous, en tant qu'industriels engagés dans le développement de la filière durable, on fait du lobbying auprès de la RSPO depuis 18 mois, et ça va bientôt prendre fin, pour que le niveau de ces critères soit durci.
Et donc voilà, on a travaillé avec des ONG qui sont autour de la table, les planteurs qui sont autour de la table, les petits planteurs, les très gros, nous industriels, donc en bout de la chaîne d'approvisionnement, les acheteurs. On a travaillé tous ensemble depuis 18 mois au renforcement des critères de la RSPO. Ces critères vont être votés dans une semaine, donc c'est à Bornéo, c'est jeudi prochain, le vote, et on a bon espoir que les forêts secondaires soient à présent protégées selon une méthodologie qui s'appelle la méthodologie HCS, qui est le calcul de la forêt qu'il convient de conserver. C'est une méthodologie qui a été construite par Greenpeace avec Nestlé et avec TFT, une autre organisation. Voilà, qui va donc calculer à quel moment on considère qu'une forêt doit être gardée et en fonction de sa valeur carbone et puis en dessous de quel seuil on considère que la terre est trop déforestée et que donc elle peut être exploitée pour de la culture de palmiers à huile. Je vous invite à suivre les résultats de ce vote RSPO dans lequel on a beaucoup d'espoir. Et si la RSPO prend ces critères, parce que donc il y a ce point-là qui est vraiment très très important pour nous sur la protection des forêts. On a aussi adressé beaucoup de points sur la protection des droits de l'homme et des travailleurs. Il y a eu un rapport d'Amnesty International il y a 2 ans qui nous a mis le nez dans la situation des droits sociaux qu'on découvrait, nous, industriels. Hein, donc, on découvrait qu'il y avait des problèmes sur travail des enfants, même dans les plantations certifiées durables. Donc, du coup, on s'est investi aussi sur la question des droits sociaux pour avoir un certain nombre de critères que les femmes, c'est un peu nos modèles agricoles d'il y a 50 ans, les femmes des planteurs, elles ne sont pas reconnues, elles n'ont pas de statut de travail. Donc du coup, on demande à ce qu'il y ait un statut pour les femmes des planteurs et qu'elles aient droit du coup aux aides et au chômage, etc., et à leur sécurité sociale. Et puis également, plus de garanties sur la protection des espèces animales. Là-bas, une question. On t'a dit que l'Europe, enfin, ce que vous avez dit, a une démarche un peu vertueuse, entre guillemets un peu vertueuse. L'Europe, comme ça a été dit aussi, n'est pas le plus gros consommateur d'huile de palme. D'autres continents sont beaucoup plus consommateurs que nous. Cette démarche vertueuse que nous, on essaie d'impulser en France, en Europe, est-ce que la même démarche est initiée par les autres gros consommateurs d'huile de palme, ou est-ce que pour nous, c'est un peu une goutte dans un océan ? Alors, ce n'est pas une goutte, mais c'est que l'Europe, en effet. Hein. Il commence à y avoir du côté de la Chine et de l'Inde, des questionnements dans l'opinion publique sur d'où vient l'huile de palme qu'ils achètent. Mais bon, c'est assez anecdotique par rapport à nous, en Europe, notre niveau d'avancement sur la question de l'huile de palme. Donc, c'est vraiment, il n'y a que l'Europe qui porte... Qui a cette préoccupation quant au mode de production de l'huile de palme. Je vais demander aussi une question. On parle de, on l'a évoqué, une huile de palme qu'on a qualifiée de vertueuse, ou disons. Est-ce que quand nous, les consommateurs, on peut voir sur un produit si l'huile de palme qui est dedans est vertueuse ou pas ? Il y a un logo. Bon, il y a le Nutri-Score, mais qui n'est pas sorti encore très bien. Est-ce qu'il y a un logo qui dit huile de palme vertueuse ou pas ? Alors, il y a un logo, enfin, il y a le logo de la RSPO, par exemple, mais il y a d'autres démarches. Ce n'est pas spécifié sur les étiquettes des produits. Il faut investiguer sur les sites internet, peut-être, des industriels. Nous, nos membres ne le précisent pas. Par exemple, Ferrero, qui produit Nutella, qui était un des acteurs, un des industriels les plus avancés en matière de durabilité, qui fait des choses très bien pour l'huile de palme qu'il achète. Ce n'est pas quelque chose qui précise sur le packaging. Du coup, je vous inviterai à regarder peut-être les classements que font WWF et Greenpeace, qui notent tous les ans ou tous les 2 ans les industries sur leur engagement et leur politique d'approvisionnement en huile de palme. Vous verrez du coup que Ferrero, qui possède la marque Nutella, est souvent en tête des classements comme des très bons acteurs.
avec Nestlé, Unilever, et puis voilà. Donc il y a ces classements là qui existent, qui seraient des références puisque produits par des ONG. C'est... Oui, après vous pouvez voir sur les sur différents produits, vous avez quand même des petits logos qui apparaissent régulièrement. Alors ils sont divers et variés et ils veulent pas dire grand chose pour la plupart. Moi, comme on l'évoquait, là, la RSPO a quand même des critères qui pour l'instant sont assez peu stricts en termes de protection de la forêt, de la biodiversité et des droits sociaux. Et après vous avez aussi d'autres logos qui apparaissent parfois comme Green Palm et autres qui n'ont absolument aucune valeur en termes de durabilité et qui sont purement du greenwashing. Alors pour Green Palm, l'industriel va s'engager à, alors en fait il va donner un chèque en fait pour investir dans des projets durables, mais en échange il appose son petit logo sur, mais lui en tant que tel n'a rien fait pour avoir une huile de palme véritablement durable. Et il y a un problème qui se pose aussi qu'on rencontre pas par exemple sur le bois. Sur le bois on a le label FSC qui est vraiment relativement strict. Alors il y a toujours parfois quelques failles, mais d'abord il est très bien contrôlé, il est très strict, tant sur le point de vue environnemental que social, et c'est très facile de suivre un produit à base de bois, parce que vous avez le tronc, vous avez un numéro, et vous pouvez le suivre jusqu'à la feuille de papier qui va en découler. L'huile de palme, le problème, c'est qu'il n'y a pas deux circuits, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas deux circuits totalement séparés. C'est trop onéreux de faire un circuit différent pour une huile de palme qui serait issue d'un circuit totalement zéro déforestation et durable. Et donc, du coup, les huiles sont pour la plupart mélangées. Donc, après, d'un point de vue éthique, ce que vous consommez, c'est un mélange. Ce n'est pas une huile 100% durable. Donc c'est aussi un gros problème que reprochent les consommateurs et les ONG. Et bon, c'est difficile à mettre en place, c'est beaucoup plus difficile que pour un produit comme le bois. Est-ce que, puisque je pense que bon, Ferrero alors donc s'engage, mais utilise l'huile aussi qui n'est pas de l'huile vertueuse, forcément il n'y a peut-être pas assez de production d'huile vertueuse, c'est pas suffisant encore pour le moment. Si, il y a assez de production d'huile de palme. Pour tout vous dire, à l'heure actuelle, elle ne trouve pas preneur. Toute la production d'huile de palme durable ne trouve pas preneur parce qu'elle est évidemment plus chère que l'huile de palme conventionnelle. Donc, il reste sur les bras des planteurs de l'huile de palme durable. Ferrero, ensuite, bon, Ferrero, c'est une marque qui a été très exposée en termes d'image sur la question de l'huile de palme. Donc, c'est vrai qu'ils font les choses très très bien. Ils sont en mesure, ils savent précisément d'où viennent l'huile de palme qu'ils achètent. Ils ont une traçabilité à 100%. Ils vérifient avec des satellites. Nestlé fait ça aussi. Que les plantations sur lesquelles ils s'approvisionnent pour vérifier les trajets des camions, qu'il n'y a pas de départ de feu, il y a pas mal de choses. Bon, c'est pas à la portée de tout le monde de vérifier. On a d'autres acteurs avec nous au sein de notre alliance qui peuvent pas mettre en place de tels systèmes de vérification. Mais ce sont des systèmes qui existent. Okay, encore une question, monsieur. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais vous demander, quand on lit huile végétale, est-ce que c'est systématiquement de l'huile de palme ? Première question. La deuxième, la Commission européenne a autorisé il y a quelques années l'introduction d'huile végétale dans le chocolat. Est-ce qu'il y a des élections européennes l'année prochaine ? Est-ce qu'il est possible ? Vous pensez qu'on peut discuter sur ce sujet ? Alors sur huile végétale, il me semble qu'il y a un règlement qui a dû passer en 2015, le règlement INCO, où il est interdit de dire huile végétale. Maintenant, l'industriel doit dire quelle est l'huile qu'il a mis dans son produit. C'est pas sorti encore. Bon, très bien. En tout cas, c'est une obligation maintenant de préciser quelle est l'huile. Ces trois-là, oui, c'est celle-là. Oui. Et pour le chocolat ? Et alors pour le chocolat, je n'ai pas d'informations sur le règlement européen.
Il y avait l'autorisation de mettre autre chose que du beurre de cacao. Ah, d'accord. Voilà, bah, y a, d'abord, il y a la lécithine à 5%, et puis d'autre part, on peut effectivement utiliser une portion, alors je ne sais pas quelle fraction exactement, d'huile végétale. D'accord. C'est très peu utilisé en France, mais c'est utilisé au niveau notamment de la Suisse. Tout en gardant le non-chocolat. Hein, le fameux chocolat suisse est très mauvais. Il faut prendre que du chocolat alsacien, je crois que c'est ça. Hein. Ah oui, on a fait de la résistance sur le chocolat. Oui, parce, mais ça conserve le nom de chocolat, c'est ça la chose. C'est-à-dire il n'y a pas que du cacao dedans, mais ça s'appelle quand même chocolat. Alors pourquoi Des questions, Jean-Louis? Au fond, une question, monsieur, là-bas. Oui, mais je voulais juste faire un commentaire, c'est montrer le pouvoir finalement du consommateur et des ONG, parce que les industriels n'auraient jamais bougé, même les industriels français qui sont vertueux ou européens qui sont vertueux n'auraient jamais bougé s'il n'y avait pas un starter. Exactement. Le starter, c'est nous, les consommateurs, et c'est les ONG. Donc il faut stimuler ces ONG et ces consommateurs partout ailleurs dans le monde. Oui, excusez-moi. Aïe. Oui, excusez-moi. En fait, ma question, c'est, je me demandais si on trouvait du plomb et du cadmium dans le chocolat, et même quand il est bio. C'est une question un peu... Alors, mesdames, est-ce qu'on trouve du plomb et du cadmium dans le chocolat? Je ne sais pas. Jean-Louis, sûrement, il doit y en avoir un peu, mais... Ah non, on ne sait pas. Non, c'est... Il doit y en avoir, oui. Comme dans tout. Oui, je pense que tout ce qui pousse dans la terre doit avoir du... Forcément, ça doit... Mais en quantité, alors aucune idée. Hein. Pourquoi vous posez la question? Vous pensez que c'est une source de... particulière ou pas? Je l'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est une source sûre, mais j'ai entendu que certains chocolats en Amérique du Sud pouvaient être contaminés par le cadmium. Alors c'est peut-être lorsque pousse, je ne sais pas si je vais prendre des Oui, peut-être sur un sol qui a été contaminé. Oui, peut-être. Bon, on va regarder dans la littérature. On ne peut pas répondre. Oui, merci. Oui, bonjour. Moi, je me demande quand même si les industriels ne sont pas, eux, un petit peu trop gourmands, parce que, effectivement, je travaille en milieu scolaire, je vois nos enfants. S'il n'y a pas de tartines de Nutella, c'est des céréales. Et voilà, on se limite à ces deux aliments pour le petit déjeuner. Alors j'imagine, et on voit les conséquences sur déjà un certain long terme, sur la santé de nos enfants, hein, qui n'est pas extraordinaire. Beaucoup voilà, se trouvent en situation d'obésité. En Alsace, on est assez mal placé par rapport à ça. Et voilà, je me demande si on ne peut pas... Voilà, avant, il y avait diversité. On pouvait manger aussi une tartine de miel. On pouvait manger la confiture... voilà, maison, voilà. Et là, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent plus que ça et ça devient compliqué, quoi. Je suis d'accord avec vous. Je vois dans l'école de ma fille, je suis souvent à la cantine avec elle et je vois les enfants ce qu'ils mangent et je suis effarée. Mais justement, dans le livre dont on parlait tout à l'heure, on a essayé aussi de montrer justement qu'on pouvait faire des choses très simples, justement à la maison, qui ne prennent pas de temps. Et qu'on fait soi-même et on sait ce qu'on met dedans et revenir à ces choses, à ces recettes de base, même aussi alors pas seulement pour l'alimentaire mais aussi pour d'autres produits dans la salle de bain ou dans la cuisine et c'est vrai que c'est plein de petites choses qu'on a oubliées. Et alors je dis pas qu'il faut bannir totalement les produits industriels. Mais il y a des choses qu'on pourrait retrouver, des habitudes qu'on pourrait retrouver et qui sont assez simples et qui ne prennent pas de temps, contrairement à ce qu'on peut penser, et qui ne sont pas très onéreuses, voire parfois moins onéreuses que certains produits manufacturés. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a totalement oubliées, mais c'est une gymnastique qui n'est pas toujours facile. Et souvent évoquer ou invoquer le manque de temps. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, après, c'est une routine et c'est juste plus ludique aussi pour les enfants et que d'ouvrir un paquet de céréales.
Moi, je vois, enfin, j'ai une fille de 4 ans qui adore faire des gâteaux et préparer des choses pour son goûter, son petit déjeuner, sans qu'on aille acheter quelque chose de tout fait. Au contraire, c'est un plaisir. Et les écoles ont aussi un rôle à jouer dedans. Moi, je me souviens, on faisait aussi beaucoup de choses et il y a beaucoup d'enseignants qui font encore la cuisine avec les enfants, qui font du pain, qui font des gâteaux. Et c'est vrai que c'est aussi ce goût-là qu'il faut réinstaurer. Hein. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie de toute cette problématique. C'est de retrouver aussi certaines habitudes alimentaires qu'on a perdues. Un petit peu. Non, mais on n'est pas dans la question de l'huile de palme sur celle-ci. Je veux dire, ça, c'est une question d'habitudes alimentaires, de publicité, de perte des traditions, etc. C'est pas le sujet de l'huile de palme, hein, on est oui, d'accord, c'est plus général. C'est oui, puis je pense qu'après, c'est nous aussi qui avons un grand rôle en tant que modèle pour les enfants, les petits-enfants. Moi, j'ai observé ma grand-mère tout le temps cuisiner et c'est vrai que ça donne le goût aussi de perpétuer et ma mère derrière. Et voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas simple à retrouver. Hein. On peut rêver. Hein. On peut rêver. Oui. Mais vous avez le droit de rêver. Vous avez raison. Vous êtes tout à fait dans le droit chemin. Mais on peut rêver. Moi, j'avais juste une question. Moi, j'avais juste une question pour revenir à l'huile de palme. Que penser des taxes alimentaires? Parce que finalement, le Nutella n'a pas été taxé, mais il a passé juste à côté. Que penser des taxes? Vous croyez que ça a un effet? Vous pensez que c'est que ça va modifier le comportement justement des enfants qui sont des cœurs de cible de la publicité à tout craint? Moi, je peux vous raconter une petite anecdote personnelle. Ma fille est un génie. Ma fille, quand elle avait 2 ans, qui se promenait avec sa grand-mère dans des linéaires de grande surface, est passée devant un machin, elle a dit « Benko ». Et sa grand-mère, qui est ma belle-mère, a dit « Mais cette fille est un génie, elle sait lire. » Benko. Vous avez oublié ce produit, Benko, peut-être. Enfin, à l'époque, ça faisait la pub pour les enfants. 2 ans, Benko. Non, mais je veux dire, ça illustre bien le poids extraordinaire et la malléabilité des enfants. C'est le moment ou jamais, si on veut atteindre une cible de consommateurs, c'est de passer par les enfants. Et donc, on ne refuse rien à ces enfants. Comment refuser le Nutella ? Le Nutella ou les céréales ? Les céréales, c'est scandaleux. C'est un vrai scandale alimentaire, les céréales. Les céréales qui sont bons pour les enfants, c'est formidable. Enfin, un aliment vraiment vertueux, avec des fibres. C'est scandaleux, les céréales. C'est du gras et du sucre. Donc, je reviens aux taxes. Qu'est-ce que vous en pensez de ces taxes ? La taxe Nutella, comme elle apparaissait régulièrement dans les débats, hein, parce qu'elle n'est pas sortie qu'une fois, elle sort assez souvent. Écoutez, nous, on a été consultés, puisqu'on est des industriels, par les pouvoirs publics sur ce qu'on pensait de cette taxe. Et nous, notre position est de dire oui, instaurer une taxe, mais on avait demandé à ce que soient exonérés de taxes ceux qui font l'effort de s'approvisionner durablement. Finalement, la taxe a été retoquée parce que il y a eu d'autres acteurs qui ont été plus entendus que nous. Mais nous, notre position était celle-là. Allons-y, créer une taxe. On fait quand même en sorte que ceux qui font un effort financier, évidemment, pour s'approvisionner durablement, soient exemptés. Mais pourquoi pas ? C'est un sujet qui revient sur la table tellement souvent que. Alors, il y a un mélange au niveau. Alors, ça dépend lequel. Si, il y a des systèmes qui permettent. Un industriel, quand il achète son huile de palme, il y a différents systèmes pour l'acheter. Soit le plus cher, c'est celui que l'on trace jusqu'à la plantation. Celui-là, il arrive jusqu'à l'industriel sans avoir été touché. C'est le plus cher. Après, au milieu, ce qui est le plus acheté, c'est une huile qui est durable, qui a été mélangée à un moment donné avec de l'huile de palme conventionnelle qui arrive dans la chaîne. Oui, tant qu'il n'y a pas de marquage spécifique, on va avoir du mal à s'en sortir. C'est compliqué sur l'huile de palme. Il y a une chaîne d'approvisionnement sur laquelle il y a une douzaine d'acteurs. Il y a 70% des producteurs d'huile de palme sont des petits planteurs, donc des gens qui ont une superficie de culture qui est 2 hectares. Oui, 2 hectares. Donc c'est vraiment des
C'est d'ailleurs ceux-là qui déforestent le plus. Hein. Ils ont une terre sur laquelle il y avait une forêt. Ils coupent le bois pour vendre le bois. Enfin, c'est extraordinaire pour s'enrichir. Et puis derrière, ils font planter du palmier à huile. Voilà, donc il y a différents systèmes, enfin différents critères. Ok, ben écoutez, on va peut-être en rester là. Donc, on a bien regardé ce sujet-là, qui est un vrai sujet éthique, hein, on l'a bien compris, entre une consommation responsable, une production responsable, la déforestation, les répercussions sur la planète, et nous autres, les acteurs, c'est-à-dire les acheteurs, les consommateurs, on doit être vigilant à condition qu'on nous éclaire, hein, c'est-à-dire qu'on veut bien agir et être partie prenante et acteur à condition qu'on ait une information claire et transparente. Hein, ça, c'est vraiment un point fondamental, sinon on ne peut pas le faire. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Merci à vous, mesdames. Moi, je veux bien rajouter un petit point, c'est qu'on trouve le fameux devenir consommateur, l'huile de palme, il se lit très vite, on le conserve, parce qu'il y a même des recettes dedans, c'est vrai. Ils se retrouvent tout au bout de la salle, en fait, vous pouvez les consulter. Et puis, on a la chance d'avoir Emmanuelle Grundmann, elle n'est pas ni à Bornéo, ni en Indonésie, ni ailleurs.